À suivre l'homme du jour, hier, a été critiqué par les polémistes dans Refait le Monde qui lui reprochaient de ne pas être assez offensif face à la ministre Aurélie Filippetti qui lui réduisait ses moyens, et de ne pas être assez créatif pour faire mieux avec moins et au passage de sacrifier la culture. C'est le patron de France Télévisions, bonsoir Rémi Fimelin. Bonsoir. Merci d'être sur RTL pour répondre à toutes nos questions. Euh, on va le faire dans un instant, mais dans ce climat, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, il euh, y en a assez, je m'en vais à Jamais, jamais. D'abord parce que ce que je fais me passionne, et puis parce que ce que je fais a un sens, c'est que je suis très motivé par ce que je fais avec des équipes. Et travailler avec des équipes telles que celles que j'ai autour de moi, ben c'est partir pour un long chemin. Et vous saviez que ça allait être si dur Oui, bien sûr. Je connaissais très bien la maison. A tout de suite Rémi Fimelin, ce soir sur RTL. RTL Soir, Marc-Olivier Faugiel. Il est 18h36. Deuxième invité d'RTL Soir, donc le président de France Télévisions, Rémi Fimelin. Rémi Fimelin va récapituler le contexte. Vous n'avez toujours pas achevé les discussions avec l'État sur votre futur contrat d'objectifs et de moyens. En gros, ça y est, sur les objectifs, vous êtes au clair. Hein, ça n'a pas été facile. On se souvient d'Aurélie Filippetti ici qui euh, avait des doutes. Ça y est, vous êtes d'accord. Maintenant, manque les moyens. Vous n'avez pas assez d'argent, vous devez revenir à l'équilibre financier en 2015, faire 300 millions d'économies. L'État compte baisser sa dotation de 2% sur 3 ans. Vous n'êtes pas d'accord Et Aurélie Filippetti dit il y a une attitude qui consiste à faire monter la pression pour essayer d'obtenir davantage. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Comment ça va se terminer ce bras de fer Vous allez céder déjà Alors écoutez, d'abord, euh, je crois qu'il est important, c'est que j'ai proposé une stratégie et que cette stratégie a été acceptée. C'est l'élément objectif mmh. du contrat d'objectif et de moyens. Ça, c'est pour l'entreprise un point essentiel. Maintenant, nous sommes dans un contexte qui est un contexte où ces objectifs nécessitent effectivement des moyens et je considère aujourd'hui, en raison d'un certain nombre d'incertitudes, qu'il nous faut soit une dynamique de recettes, et la dynamique de recettes, c'est soit un peu de publicité, soit une dynamique sur la redevance, euh, ou alors la possibilité de baisser un peu les moyens pour arriver à l'équilibre. Donc c'est une discussion aujourd'hui que nous menons et que nous menons normalement dans un contexte difficile, mais euh, nous allons trouver une façon d'en sortir. Elle vous, elle, vous dit, aurons... elle vous dit que ce n'est pas une façon de faire. On sent que l'ambiance n'est pas au beau fixe avec votre ministre de tutelle. Hein. Non, 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 pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, on a un débat qui est un débat normal et j'ai euh, de la part de, de, de l'État... Euh, au contraire, la compréhension des difficultés que nous avons. Alors, on va y revenir. À comment trouver de l'argent Vous, votre solution, c'est déjà d'arrêter un certain nombre d'émissions qui coûtent trop cher. Ça fait polémique parce qu'on dit que vous arrêtez toutes les émissions culturelles Taratata, Des Mots de Minuit, Shabada. Et on, dit, on vous rappelle à vos missions de service public, en tout cas euh, des téléspectateurs qui signent des pétitions. Nagui a obtenu plus de 100 000 euh, signatures. Pourquoi aller taper dans les émissions de culture alors, tout cela est très injuste, parce que d'abord, les émissions culturelles sont à foison sur le service public. Point numéro un. Point numéro deux, euh, lorsque vous faites des économies, vous les faites dans une entreprise comme la nôtre sur tous les postes, et y compris sur les programmes. Et ce que nous faisons là, en l'occurrence, notamment pour la musique, c'est d'arrêter un certain nombre d'émissions pour en créer de nouvelles. Et nous allons. Mais ça veut à dire rentrée... clairement que Taratata, ça vous plaisait plus. quoi. Mais ça veut dire très clairement qu'une émission qui a 20 ans, qui s'est arrêtée après 5 ans. Que nous avons repris sept ans plus tard, d'ailleurs sur mon instigation, j'étais à France 3, mmh. et qui aujourd'hui est une émission qui, pour son coup et, et, et vu le, le public qu'elle drainait, peut être arrêtée. C'est pas anormal. C'est un symbole du service pas... public. Il y a des émissions Mais, qui si sont voulez, emblématiques. Hein. Si aujourd'hui nous ne pouvons rien arrêter, alors nous ne pouvons pas créer. Lorsque nous voulons créer une nouvelle émission musicale. Eh ben, il faut qu'on en arrête d'autres et qu'on mette nos moyens sur un projet d'innovation. On peut pas reprocher au service public de ne pas innover et lorsqu'il innove de dire mais attendez surtout n'innovez pas parce qu'il faut mais conserver alors, tout ce que vous sauf avez. Sauf que là on a listé un certain nombre d'émissions culturelles qui passent à la trappe. Vous en avez bien le droit si vous les remplacez par d'autres, mais ça veut dire qu'il y aura d'autres émissions qui vont disparaître aussi pour des économies. Mais il y a, si a toute une je... série d'émissions par exemple qui ont été supprimées. Ben écoutez nous avons supprimé sur France 3 les émissions deuxième partie de soirée. Nous avons supprimé sur France 2 par exemple l'émission de Bruce Toussaint pour y placer une émission culturelle de Frédéric Taddeï. Aujourd'hui, quelle est la chaîne de télévision qui a une émission culturelle à 22h30 comme celle de Frédéric Taddeï Nous avons créé sur France 5, tous les jours à 20h, un quotidien culturel euh, entre... qui, qui, qui fait un succès tout à fait remarquable. Personne n'en parle. Bah, Donc si, aujourd'hui, il y, y a Nicolas Taverneau musique. qui en parle, le patron d'M6, qui dit que finalement, quand on regarde le service public, et notamment France 4, il le dit dans Le Monde, euh, vous faites finalement tous vos missions de service public. Quand on regarde France 4, le service public fait des choses que le secteur commercial pourrait assurer. Il faudrait une redéfinition plus stricte du service public. L'entreprise France Télévisions me paraît une absurdité. Vous lui répondez Écoutez, que Nicolas Taverneau s'occupe de ses programmes. Je crois qu'il en a besoin aujourd'hui. Moi, je m'occupe des miens. Hein. Et mes missions de service public, je les assume. Vous parlez de musique. Nous avons aujourd'hui. 2250 heures de musique sur France Télévisions. Nous avons diffusé 10 opéras autour des trois dernières années. Nous avons le 20 sur France 3, une formidable émission musicale à Orange. Le 21 sur France 2, une formidable émission musicale à Marseille. Je veux dire, qu'on ne me fasse pas de leçons sur ce que j'ai à faire. Nous sommes en train de développer une offre culturelle comme jamais sur France Télévisions. Ça, c'est les programmes. Sauf qu'on connaît l'entreprise, c'est pas que des programmes. Votre entreprise sert à fabriquer des programmes, mais euh, c'est surtout un énorme mammouth, 10 000 salariés. Et est que pour faire les économies, pour essayer de s'en sortir, il ne faudrait pas le dégraisser, ce mammouth Et à un moment donné, c'est ce que disait hier Alain Duhamel, hein, quand il vous trouvait assez défensif, être offensif et aller tailler dans le mammouth hein. Écoutez, la façon de parler des personnels, d'abord, euh, je, je ne vous rejoins pas. Ce que je voudrais d'abord signaler, c'est que je viens de signer, avec l'ensemble des organisations syndicales, un nouvel accord d'entreprise, l'ensemble a signé, qui tourne la page de 30 ans d'accords d'entreprise qui rénove complètement la convention collective, qui nous permet de mesurer aujourd'hui un, 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 un progrès considérable sur l'organisation du travail, sur la possibilité de baisser les effectifs parallèlement à ce que nous allons faire. Donc ça veut dire qu'il y aura du dégraissage, Mais, quoi Ça ne s'appelle pas du dégraissage, ça s'appelle aujourd'hui de la rationalisation. Ça s'appelle aujourd'hui la capacité d'optimiser nos ressources et encore une fois... Resigner cet accord d'entreprise, qui est un accord d'entreprise que tout le monde disait impossible, et le faire signer par toutes les organisations syndicales, c'est une façon de moderniser. Mais pardon, on modernise pas en clamant sur les toits. Je vais faire, c'est en le faisant dans l'entreprise et dans la. Alors machine. toujours est-il qu'il vous faut de l'argent. Vous l'avez dit, soit une augmentation de la redevance, soit de la publicité là où ça, ça vous est interdit, pour augmenter la redevance. Dites aux téléspectateurs, auditeurs d'RTL, pourquoi il faudrait qu'ils payent plus que 131 euros pour regarder France Télévisions aujourd'hui, où on a tellement de chaînes. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait payer plus d'argent pour vos programmes euh, qui, pour certains d'entre eux, ressemblent tellement à d'autres Alors, d'abord, euh, la question qui est posée aujourd'hui n'est pas tant l'augmentation de la redevance que la modernisation et ce qu'on appelle l'assiette. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez dans chaque foyer de 6 à 8 écrans. Ces 6 à 8 écrans permettent de regarder la télévision. Donc, la taxe, la redevance, qui est aujourd'hui fondée sur l'écran de télévision, mmh. est obsolète. D'ailleurs, les Allemands, les Suédois, les Suisses ont décidé d'avoir une assiette différente. c'est-à-dire par exemple les tablettes. Euh, il, faut voilà, pas, il faut une, une regardons une taxe la, sur manière, les tablettes. la manière de faire. Ensuite, le service public aujourd'hui se différencie de façon considérable sur l'information. Prenons les programmes de ce soir. Vous avez ce soir déparolé des, des actes, qui est une émission de débat mm -hmm. que vous trouverez jamais sur le privé. Vous avez de la fiction française qui ne se développe que chez nous, pas sur le privé. Vous avez une politique de documentaire qui se trouve chez nous, pas sur le privé. Oui, mais vous avez par une exemple, présence en France en de, entre lundi et vendredi. Euh, <coughs> il y a trois séries ou téléfilms policiers de, entre ce lundi-là et ce vendredi-là, en prime time. De, 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 de séries françaises Policiaire. De séries françaises. Mais vous avez, quand vous voyez Candice Renoir. Le vendredi soir, qui a eu un très grand succès, eh c'est une série certes à thème policier, mais d'une jeune femme contemporaine. Vous voyez pas ça sur les séries américaines. Non, Lors vous ne faites ça fait sur, pas, ci, vous pouvez fait voir pas ça sur TF1 avec des séries comme Julie Lescaut ou des choses comme ça. Non, non séries... mais qui est complètement rénovée. Et c'est la création française. Je note aujourd'hui que TF1 développe essentiellement des séries américaines. Pour boucler la boucle, puisqu'on a bien compris que vous êtes dans une problématique d'argent, vous justifiez le fait que vous avez besoin pour faire tous ces programmes-là. Vous êtes optimiste euh, que l'assiette de la redevance soit élargie ou alors une autorisation de faire de la publicité après 20 heures euh, de façon très spécifique Est-ce que vous êtes optimiste Écoutez, ce qui m'a frappé hier, c'est que dans la table ronde où nous étions, où il y avait des élus, où il y avait des producteurs, où mmh. il y avait des auteurs, il y a eu une forte unanimité autour du service public. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un service public. Parce que nous avons besoin d'une information de référence et d'une information forte. Parce que nous avons besoin de création, de débats, de magazines que vous ne trouvez que sur le Donc, service public. Clairement, vous pensez qu'on va vous autoriser à faire de la pub après 20h Aujourd'hui, je dis simplement que la question des moyens est posée, qu'il y a deux façons de la faire et que d'une façon ou d'une autre, on trouvera les voies et moyens d'avoir les ressources pour obtenir, les, 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 pour faire les émissions dont nous avons euh, euh, la charge. Merci Rémi Finin d'être venu ce soir sur RTL.